J'ai écouté avec beaucoup de tristesse mon jeune frère Ousmane Sonko mentir éhontément sur les circonstances et le contenu de notre entretien le 27. Qu'il se souvienne simplement m'avoir dit ce fajar-là qu'il n'avait pas encore commencé à jeûner parce qu'il était encore malade. D'où son retard d'ailleurs mis à se préparer et à descendre. Maladie que personnellement, je n'ai pas observée au cours de notre entretien où il s'est montré particulièrement en forme. Mais malgré les douloureuses circonstances qu'il vit, ou peut-être même, surtout à cause de ces circonstances-là, il aurait avantage à méditer ce verset du canon. La vérité est venue, le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Cela l'aidera à arrêter la manipulation. N'eût été l'épreuve douloureuse qu'il est en train de traverser en faisant face à la justice de son pays pour mensonge et diffamation d'une part, possibilité de viol d'autre part sur une jeune fille de 20 ans, j'aurais été extrêmement dur contre lui. Mais en ces circonstances, conformément à l'enseignement prophétique, je dois d'abord lui exprimer. Ma solidarité face aux épreuves qu'il vit. Lorsque ces épreuves seront révolues dans un sens comme dans un autre, je pourrai lui apporter preuve à l'appui. La réponse qui est très simple, c'est qu'il sait qu'il ment et que la malédiction d'Allah s'abat sur le menteur dans ces circonstances. Merci.